Moi, je voudrais faire un petit parallèle entre ce que j'ai entendu tout à l'heure sur scène, ce qui a été probablement, je crois, le dernier morceau, donc Marley, que vous avez commencé à modifier un petit peu. C'est-à-dire qu'on est plus sur le Marley original que vous faisiez sur scène au début de la création de ce morceau. Là, il a été un petit peu modifié intérieurement. C'est une volonté, j'imagine, du groupe de peut-être de le faire peut-être un petit peu évoluer. Et seconde question qui a un lien direct avec ça, on sait qu'il y a un biopic sur Marley qui sort là, très bientôt. Qui va retracer la période, je crois, de 1976 à peu près, donc aux périodes des attentats de Marley. Toi qui as chanté justement un morceau phare du groupe d'Anakin, est-ce que tu es pressé de voir ce biopic ou est-ce que tu es un petit peu lassé de tout ce qui sort sur Marley? Alors, premièrement, oui, la version du Marley qu'on joue en live, on l'a changé à chaque tournée. Le morceau il est sorti en 2008 et du coup depuis 14 ans qu'on joue ce morceau en concert, on a dû faire 8-9 versions différentes, vraiment à chaque fois. Donc c'est la version de cette année où effectivement on a rejoué les bridges originaux. C'est le show qu'on a fait pour... c'est cool, on se fait plaisir sur ce morceau en le changeant à chaque fois. Et quant au biopic de Marley, il se trouve que, en tout cas, moi je regarde pas énormément de films. Mais dans ce que j'aime regarder, j'adore les biopics. Justement, voilà, c'est le genre de film que j'aime regarder, quoi. Genre, je m'éclate à regarder les biopics, et notamment encore plus quand c'est des trucs de chanteurs, genre Ray Charles, tu vois, ouais. Qui a pu avoir, par exemple, celui sur Queen aussi, Freddie Mercury. Donc évidemment, un biopic sur Marley, moi je suis content, je vais aller le voir. Et non, je suis pas dans le j'en ai marre, j'ai envie de voir ce qu'ils font. Ça peut être un bon film, carrément. Ça peut être un mauvais film, mais ça peut être un bon film. Un bon film. Non, je suis d'accord avec ça, y a pas de souci pour moi. Et ben voilà, on est tout comme vous impatients d'aller le découvrir, ce biopic qui sort, je crois, en 2023. Ouais, il me semble, quelque chose près. On va commencer à proposer aux gens qui sont ici, s'ils ont des questions, je vois Sissatika qui est déjà prête dans les starting blocks. Il y avait P5 FM qui était là tout à l'heure, qui aura probablement des questions aussi à poser. Mais si tu veux, Sissa, on commence par toi, hein, pas de problème, on peut y aller, c'est parti. Et c'est parti. Salut Malik. Salut. Merci, tu connais Kika, de Radio. J'ai 4 questions pour toi. La première, elle parle de cet album, le 11e album, parce que dans un mois, ça fera un an que votre album Rien ne se tait est sorti en plein dans la pandémie. Les textes n'ont pas besoin d'être plus parlants. Le titre Oublions, le livre des 20 ans, l'album Live à la maison et puis Rien ne se tait. Le public en redemande, quelle que soit la génération. Ça te fait, ça vous fait quelle sensation d'être avec eux encore maintenant? D'être avec ce public-là qui vous suit, quelle que soit la génération. De revenir, c'est fort justement. Tout à l'heure, quand je parlais de l'universalité de cette musique à travers les âges, moi, un des trucs les plus marquants dans ce que je vis depuis 20 ans, c'est justement c'est de voir aujourd'hui qu'à la fin de beaucoup de concerts, quand on converge, je croise beaucoup de trois générations ensemble qui viennent, des petits avec leur père et leur grand-père. C'est-à-dire, ça fait 8 ans, 35 ans, 65 ans, quoi. Ouais. Et du coup, ça c'est un vrai plaisir. Nous on a commencé il y a 20 ans, et maintenant je compte plus les fois où les gens à la fin des concerts me disent soit ça me rappelle quand j'étais jeune, ou j'ai grandi avec ta musique. Donc, passer le temps si tu veux, et ne pas cantonner son œuvre artistique entre guillemets à une période précise. Moi je trouve ça valorisant, ouais. Et du coup je m'en fais, ça me fait plaisir, quoi, en gros. C'est la reconnaissance. De constater que les gens qui venaient nous voir quand ils avaient 15 ans viennent aujourd'hui à 25 ans en nous disant putain j'étais déjà là à 15 ans, c'est chambé, quoi, en fait. Parce qu'on grandit avec vous. En tout cas moi quand j'ai ce genre de témoignage, ça me fait vraiment plaisir. Ça te touche à l'intérieur. C'est ça qui est bon, c'est ton humilité qui parle. Les textes appellent à la responsabilité de chacun. D'après vous, comment les gens essayent d'être responsables? Ça, après, ça dépend de tout à chacun. Je peux pas m'exprimer pour les autres. Je pense qu'il y a trop de gens. C'est une question trop générique, je peux pas te répondre.
Chacun voit les choses à sa façon, mais c'est vrai que d'une certaine manière, avec le temps qui passe et la sensibilisation qui évolue, la responsabilité de chacun s'accroît. Bien sûr. La responsabilité individuelle, donc chacun doit prendre conscience. On est encore plus responsable, de plus en plus, bien sûr. Comment décririez-vous, avec le recul, votre carrière? Une grande histoire d'amitié avec l'équipe avec laquelle on est aujourd'hui encore en tournée. Ouais, une vraie histoire d'amitié, comme une grande colonie de vacances, quoi, qui part ensemble depuis une vingtaine d'années déjà, et en espérant que ça dure. Bah oui, parce que vous avez aussi plus Natijan qui vous a rejoint, donc ça donne du nouveau un petit peu, ça fait revivre toute cette énergie. Qu'est-ce que tu penses du mode plus intimiste du site du Reggae Sanska, du fait qu'on soit à 7000, que la jauge soit réduite? Ouais, moi en tout cas, j'avais pas vu cette version-là, parce que le Sanska a changé beaucoup de fois d'endroit, on l'a vu à plein d'endroits différents. Bah, c'était cool ce soir. Je pense que d'une certaine manière, je trouve que les gens sont. À mon avis, les gens seront contents de retrouver l'aspect campagne du Sanska par rapport à l'aspect ville. C'était cool, en ville aussi c'était bien, il y avait des avantages, il y avait plein de trucs qui étaient nice. Mais j'entendais souvent les gens dire que ça leur manquait cet aspect champêtre du festival. Et je vois aussi qu'il y a une grande possibilité, parce qu'il y a beaucoup d'espace encore. Donc ça me paraît raisonnable de repartir de plus petit et de grandir avec le temps. Exactement. Très bonne réponse, merci. La dernière, alors, je voulais te parler des feux de forêt parce que c'est ta région un petit peu ici et je voulais savoir quel était ton sentiment par rapport au fait que ça a brûlé dans la région et est-ce que ça va t'inspirer pour des futures chansons? Je sais pas, mais là je suis comme tout le monde, je suis triste de... C'est triste, quoi dire de plus, c'est triste de voir ça. Effectivement, nous aussi, c'est des coins dans lesquels on a passé notre adolescence. Donc de les voir brûler comme ça aujourd'hui, c'est triste, mais voilà, il faut faire face, il faut se poser les bonnes questions et essayer de faire en sorte que ça arrive le moins souvent possible. Ouais. C'est une banalité de le dire, mais je sais pas quoi dire de plus. Mais oui, comme tout le monde, ça nous a rendu tristes. Ouais. C'est à prendre soin du monde, prendre soin de la terre, parce qu'on est tous locataires et on doit en prendre soin. Merci beaucoup, Valérie. Merci. Merci à toi, Kika. Si on a d'autres questions dans l'Assemblée, n'hésitez pas à lever la main et à vous faire connaître. Des questions une fois. Oui, je crois que ça va arriver. Oui, tout à fait. On a une autre candidate pour les questions pour Pali de Danakil qui arrive tout de suite. Et dans une seconde. Toujours en direct du Sanska Festival. Non. Allez, on t'écoute. Bonsoir, Pali. Bonsoir. La web radio Pesac FM. La première, perso, je suis devenue accro à Danakil sur le premier album, enfin pas votre premier album, mais moi, celui que moi j'ai acheté, c'est Entre les lignes, je crois que c'est 2014, de mémoire. 2014, je pense. C'est ça, il y a eu un long chemin parcouru avant, après. Est-ce que tu es capable de me citer ton meilleur souvenir? Est-ce que c'est une question trop compliquée? Est-ce qu'il y a un truc qui te ressort comme ça tout de suite? Non, j'en ai plein, franchement, j'en ai plein. Mais parmi les très bons souvenirs, comme on est au Sanska ce soir, c'est vrai que la première fois qu'on a joué sur la grande scène du Sanska, je pense que c'était en 2009, et c'était un grand souvenir, c'était notre première scène avec une jauge, c'était plus grand qu'aujourd'hui, je pense qu'il y avait entre 15 et 20 000 personnes, on avait répété tout l'après-midi avec Matthew McAneuf, le fils de Winston qui était venu chanter avec nous le soir et on avait eu notre premier créneau de festival de nuit devant autant de monde et voilà, c'est un souvenir fort, c'était au Sanska, donc aujourd'hui c'est le moment d'en parler, mais, c'est ça. Mais voilà, c'est une date 2009 je pense, 8 même peut-être. Ok, merci. Rien de souhaité, votre album, est-ce que par le biais de ces textes engagés, vous espérez un éveil des consciences, à la fois politique, climatique? Est-ce que vous avez des retours dans ce sens de votre public? En fait, on espère un éveil des consciences, mais dire que c'est à travers de notre album, ce serait un peu ambitieux. On espère un éveil des consciences dans l'absolu par rapport à tout ça.
par rapport à effectivement au travail de sensibilisation des acteurs culturels dont fait partie d'Anakil et un certain nombre d'autres acteurs culturels ou associatifs. Mais on espère, oui, on espère encore une prise de conscience grandissante sur toutes ces questions décisives. Je pense que ça parle dans le cœur des gens et si ça vibre dans leur cœur, ça va forcément leur faire réfléchir dans le quotidien. C'est l'idée, on espère. Ça marche bien, merci. Merci. Merci pour Pessac FM et vos questions. D'autres questions dans l'Assemblée peut-être? Toujours pas? Allez, on va procéder aux une fois, deux fois, trois fois.